Kobe. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Gombert. Distingué membre de la composition, mon major. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience et ces jours. Commandant de police d'audience, adjudant-chef Touba et Tumba, prêt. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, Moussa Touba, Mireille Semakoko et commissaire adjoint Kilinga Janon. Contre les prévenus CIAP. 1. Affaire à prononcer. 1. RP numéro 970/17, RP numéro 65/44/17 par mort. 1. Tour de Douboua. 2. Banjou Kanta Zankan. 3. Matumbulu Moïse. 4. Jusu Kimoni Kankan. 5. Makosi Karaman. 6. Lubadika Yvette. 6. Tsungu Lindadio. 8. Bianca Valentina Josephine. 9. Rajouma Moukranke. 10. Jusu Kélor. 11. Babi Fiston. 12. Bombienda Maloudi du Postin. 13. Nkoka Kazmi Antoine. 14. Pueblo Makwa. 15. Mène de la Tima Patrice. 16. Posidi Koufilemon. 17. Kambile du Ambaka Bienvenue. 18. Yamangana Bioli. 19. Yamesso Evadio Anto. 20. Simbalo Moreno. 22. Moundamba Waza Canada. 23. Kongoluka Koussek. 24. Wanzambi Evadio. 25. Mwandamba Bijan. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Bombay, statuant en chambre possible au premier degré, en chambre foraine, dans l'enceinte de la prison militaire de Lolo, ce vendredi 23e jour du mois de novembre de l'an 2018, prononce des jugements dans la teneur suivante. En cause, l'auditeur militaire de garnison du ministère public et parti civil, les nommés Mesdames Moussaou Touba, Tema Koko Mirei et les sous-commissaires adjoints Kininga Kikanda Jano, tous de la nationalité congolaise, contre les prévenus ci-après. Banjulu Kanda Zakanda, Matumbulu Moïse, Zuzi Kivu Dikakanda, Makosi Kararama, Lubalika Yvette, Tumu Luinda Dio Therese, Yanga Banyakina Josephine, Lando Mambo Tranquille, Zuzi Gelo, Mambo Fiston, Bongena Malongidi Postin, Likoka Kajur Antoine, Kwebu Makwara, Mengi Zolanti Mapate. Aussi dit pour finalement, Kambijo, Diambaka, bienvenue, Diamanga, la bienvenue, Diame, Sokebadio, Simbalongo, Simbalango, Mondamba, Wazayakana, Daniel, Kumuluka, Koseka, Wazambi, Evage, Mwandandambi, Jacques, Landoubambu, Gabi. Pour avoir participé à un mouvement sélectionnel, à l'occurrence, avoir la situation à vie des saisons et capitales, la République démocratique du Congo, en date du 17 août 2017, participer au rassemblement des insurgés membres du mouvement subversif politico-religieux dénommé Bundu Lya Mayala, BDM en sigle, dans le but de mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo, légalement établies, en posant des actes d'agression contre la force publique. Le projet est puni par les articles 136 et 136 du Code pénal militaire. 2. Pour avoir, comme auteur ou complice, selon l'un des mots de participation criminelle prévu aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire du premier, commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps qui est déçu,
comme auteur par coopération directe, à condition de l'infraction donner la mort au commissaire supérieur adjoint d'Ivoire d'Etila, commandant du commissariat de Sélémao et au commissaire principal Ilunga Wamete, commandant second escadron mobile d'intervention Fula. Février puni par les articles 21, 23, 43 et 44 du Code pénal livre 2. Le tribunal, après instruction, répond que sur les 26 prévenus qui ont été jugés du chef de ces quatre préventions, seuls 22 d'entre eux sont reconnus coupables, tandis que les quatre autres, en raison d'absence de preuves suffisantes, sont déclarés non coupables. Il s'agit notamment des prévenus Lubadi Kaïvette, Landou Mambo Tranquille, Kambi Diou Diwambaka et Loko Kakazu. Les acquittes de ce fait. À la question de savoir si ceux des prévenus reconnus coupables peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou de ceci, le tribunal répond par non à raison de la gravité des faits ainsi que des circonstances aussi graves qui ont entouré la commission de ces infractions pour lesquelles ces 22 prévenus sont reconnus coupables. En conséquence, condamne ces 22 prévenus à participation criminelle du chef d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel, d'avoir pris part au meurtre et un coup de blessure, ainsi que le fait pour eux d'avoir causé des actes terroristes, les condamne ainsi, sans admission des circonstances atténuantes, pour la participation à un mouvement insurrectionnel. À 15 ans de prison, par chacun. Pour le double meurtre des deux officiers de la police nationale congolaise, le tribunal condamne les 22 prévenus à la peine de mort. Pour les coups et blessures faits sur la personne du commissaire adjoint Kininga Tchano, condamne le prévenu en faisant application de l'article 47, à ce que ces coups ont été faits avec préméditation, condamne le 22 prévenu à une peine de 2 ans. Pour le terrorisme, le tribunal condamne les 6 devant prévenus à une peine à la peine de mort, tant pour mort, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. À raison du concours des infractions, seule l'unique et la plus forte peine, soit la peine de mort, est détenue à leur égard. Condamne en outre les 22 prévenus qui sont reconnus coupables au paiement des frais générés par la présente instance, chacun d'entre eux devra payer la somme de 35 000 francs congolais
dans les délais de 6 jours, ils seront contraints à passer 3 mois de conduite par corps. On donne en même temps la relaxation des 4 prévenus bénéficiaires de l'acquittement pour faute de preuves suffisantes à leur égard, que statuant sur les actions à réparation mues par les parties civiles, le tribunal déclare que toutes ces 3 actions sont recevables quant à la forme et amplement fondées. Dit par conséquent que tous les prévenus sont solidairement tenus de réparer les préjudices civils par les victimes et qui sont tenus à indemniser les 2 autres qui ont été frappés par les décès de leurs époux. Ainsi jugé et prononcé, autant pour moi, ainsi, pour la victime commissaire adjoint principal Kininga, une somme équivalente à faire congolais de l'ordre de 20 000 dollars devra lui être alloué par le prévenu. Pour les veuves des officiers de la PNC, une somme de 200 000 dollars à raison de 100 000 par chacune d'entre elles devra leur être allouée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique le vendredi 23 novembre 2018. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison, Kinshasa, Robert, c'était membre de la composition en major. L'audience de ce jour élevée. L'audience est élevée. Ainsi prend fin le débat qui a commencé par rapport à ce dossier. Donc l'audience est élevée. Pour ceux qui ont rapport à l'énorme. Ok, ne vous découragez pas. Ok, ne vous découragez pas. On va aller en appel. Puisque quand vous êtes arrêté dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,